Le sprint est lancé, Nelly Center la bordure, Gadré dessus de près, on sait juste Gadré a fait l'écart, la ligne d'arrivée est au point de mire, Nelly Center, Gadré, non, c'est Nelly Center, très belle victoire de Fabrice Nelly Center, deuxième à Gadré, troisième place de Vincent Godin, quelle course mes amis, quelle course! Mon dieu, c'était incroyable! Monsieur le journaliste, on s'est vu ce matin avant le départ. Mais oui, vous disiez que vous vouliez un gars comme moi. Oui, c'est bien moi. Ah oui. On y va tout de suite. Où ça? Je vous pose quelques questions, puis vous me répondez rapidement, brièvement. C'est bon? C'est bon. Vous avez fini à pied? Petit problème mécanique. La chaîne a sauté, alors j'ai sauté. Le calpiètre recalé et la roue s'est fait la malle. J'ai fait le sprint à pied et j'ai battu la voiture balai. Jean-Michel Bidon, même si par terre il s'étend, il finit dans les temps. Bien. Première question. Parlez-nous un peu de votre métier, de votre quotidien, de simple point de vue d'un simple coureur, d'un simple équipier, quoi. Pas un champion comme Nelissen, quoi. Simple équipier. Ah oui. C'est un métier. On fait un métier difficile, voilà. Les gens nous appellent les forçats de la route, hein. Et ils n'ont pas tort. C'est très dur. Et puis, on leur facilite pas la besogne, hein, aux simples équipiers. Voir comment on est traité. Pire que les moins que rien. Jean-Michel. Pas champion le traitement, alors ça. C'est-à-dire que des gars comme moi. Jean-Michel, hein, les gars qui sont pas tellement. Jean-Michel, les gars qui roulent. Les gars qui font pas des dégâts. Jean-Michel, viens Marie-Christine. Viens, je te le dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi? Pour moi? Oui, c'est un bouquet. Je vois bien que c'est un bouquet, mais pourquoi faire? Mais je l'avais acheté au cas où si jamais que tu gagnes. C'est ma fiancée. Elle y connaît rien en vélo. Marie-Christine, je peux pas gagner. C'est impossible. C'est pas mon boulot. Si tu m'avais demandé, je t'aurais expliqué. Je t'aurais dit de pas fatiguer à acheter ça. Mais c'est pas grave, prends-le quand même. Mais tu rigoles. Mais quoi qu'ils vont dire, les gars? Un bidon se prend pour un champion. Bah oui, c'est vrai. T'en es un? Non. Enlève-toi ça de la tête. Je n'ai pas de sang de champion. Oh, remballe ton bouquet. C'est dommage. C'est comme ça, j'en suis pas. Bon, c'est pas grave. Je les jette pas. Je les mettrai dans un vase en rentrant. C'est ça. Tu les mettras dans un vase en rentrant à la maison. Elle y connaît rien au vélo. Non. Moi. Champion. Jean-Michel. Faut oublier. Moi, je suis là pour rouler. Jean-Michel. Je roule, mais c'est pas facile tous les jours, hein. Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Christine? Je t'attends dans la voiture. Ah non. J'en ai pour 2 minutes, hein. Je pars à la presse et on rentre à la maison. Tu parles à la presse, là? Je savais que t'étais un champion. Mais non. Il faut un reportage exprès. Ils veulent voir des gars qui seront jamais des champions. Alors, on les a présentés à moi, hein? Et ils ont vu que je ferais parfaitement l'affaire, hein. Autre chose, monsieur? Vous disiez que vous étiez là pour vous faire rouler et que... Pour rouler. Ah oui, alors ça... On va voir comment on est traité, hein. Pire que des moins que rien. Des ouvriers, hein.
Les ouvriers de... du bâtiment, par exemple. Hein ? Un peu coloré, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Nous, on est traités comme des gars de ce genre-là. Hein ? Et puis, vous remarquerez, hein, qu'il n'y a ni noir, ni arabe dans le vélo. Hein ? Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Pourquoi il n'y en a pas dans le vélo ? Hein ? Parce qu'il n'y a pas de porte-bagages ? Ouais, Christine Oh. Bref, je vais vous répondre, messieurs. Bah, ils sont pas fous. Bah, il y a longtemps qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus des esclaves. Mais c'est comme ça, ce métier. C'est ma passion. Alors j'endure. Et j'encaisse. C'est mon lot. Le vélo. Pas plus tard qu'hier, hein. Pas plus. Monsieur Duvertrugueux. Monsieur Duvertrugueux, c'est mon directeur sportif. Hein. Monsieur Duvertrugueux m'a dit Bidon. Bidon, c'est mon nom. Bidon, vous êtes un con. Et des cons, il en faut pour faire gagner les champions. Bah, c'est pas gentil. Au début, ça m'a un peu retourné qu'il me dise ça quand même. Hein. Bah oui, c'est pas gentil. Bien. C'est pour ça que tu vas comprendre. Non. Au début, je pensais comme elle. C'est assez désagréable d'entendre des choses pareilles, surtout si on comprend pas. Et c'est là, hein, que je repense encore à la phrase de monsieur Duvertrugueux. Monsieur Duvertrugueux, c'est mon directeur sportif. Des cons, il en faut. T'as compris, là ? Non. T'as pas compris ? J'ai compris que c'est pas gentil. Mais enfin, j'étais pas là. Comment ils gagneraient les champions ? En pédalant. Oui, mais pas que. Ah oui. Quand même, c'est pas gentil. Mais c'est comme ça, la vie. C'est comme une échelle. Quoi ? Plus tu vas vers le haut, plus tu trouves les as, les seigneurs, les aigles, ceux qui ont le sang de champion qui coule dans leurs veines. Et plus tu descends vers le bas, plus on trouve des gars comme moi. Oh. Je pense avoir fait le tour, hein, le Giro. La Vuelta de la question, hein, pour ainsi dire. Ah oui, on fait un métier difficile. Oh oui, c'est très dur. Comment un directeur sportif reconnaît la différence entre un coureur capable de gagner et un coureur comme... C'est facile. Ça, c'est celui qui marche le plus à l'entraînement. Vous marchez à l'entraînement ? Vous n'utilisez pas vos vélos ? Au prix où ça coûte ? Marie-Christine, c'est comme ça qu'on dit. Quand un coureur cycliste est fort, on dit qu'il marche. Donc, un champion gagne en marchant pendant que les autres pédalent ? Elle y connaît rien au vélo. C'est une expression. On dit même que le plus fort de tous marche comme un avion. L'avion, ça vole, ça marche pas. Marie-Christine ! Bref, pour en revenir à nos moutons... À nos vélos. Pour en revenir à nos vélos, Marie-Christine, le champion d'aujourd'hui, il marche comme un avion. Ouais, il survole la course. Il s'envole vers les sommets. On peut le dire, on peut le dire. Lui, c'est une vraie chaudière. Tandis que moi, je suis un pauvre diesel. Ah, t'as un moteur dans ton vélo ? Bah heureusement que tu me le dis, parce que si tu m'avais envoyé faire le plein de ton vélo, eh ben j'aurais mis du sans-plomb, hein. Marie-Christine, diesel, c'est une expression qui veut dire que je mets longtemps à démarrer. Ah, c'est pour ça que tu démarres toujours en dernier. C'est parce que le moteur met du temps à démarrer. C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi vous le faites pas avec des motos ? Marie-Christine ! Qu'entendez-vous par chaudière ? Bah, j'entends chaudière. Non, mais que voulez-vous dire quand vous dites chaudière, quoi ? Ah, chaudière ! Alors, vous savez, c'est ceux qui se soignent, ceux qui prennent... Des vitamines, des fortifiants. Ah oui ? Ah bah, on peut dire ça comme ça, oui. Mais faut pas en parler, hein. Parce que sinon, c'est la NPE, moi, je vais aller rouler, hein. Ah. Et vous, vous vous soignez ? Ah bah oui, moi aussi, je... Ah non, mais... C'est-à-dire que, enfin, Monsieur Duvertrugueux, c'est mon directeur sportif. Hein. Monsieur Duvertrugueux a dit qu'il faut que quelqu'un puisse donner son sang pour l'équipe. Hein ? Ah bah parce que moi j'y comprends pas grand chose à tout ça. Hein. Le vélo, c'est quand même de la stratégie. Hein. Enfin voilà, je fais mon boulot pour l'équipe. Enfin, à mon niveau à moi. Un niveau pas champion, quoi.
Mais attention. Attention, hein. Parce que ce qui me conforte, c'est que les kilomètres, je les fais, même à pied, hein. La même distance que les champions. Eh, ça tient à quoi? Rien, rien. Votre nom? Bidon, Jean-Michel Bidon. Avec 2D, hein. Pas comme le bidon qu'on prend et qu'on jette, hein. 2D. Eh ben, ça sera dans le journal demain. C'est vrai? Bah ouais. Oh bah c'est gentil ça. Ah oh, bah pour une fois qu'il y aura mon nom quelque part. Allez, viens, on va mettre ton truc dans un vase. Allez. Allez, rentre à la maison. Non mais c'est vrai, hein, c'est très dur ce qu'il fait. Bon, ma raquette, ça va suffire un petit peu là. Non, mais c'est vrai, il faut beaucoup de courage pour faire ça. Ouais, Christine. Oh, par contre, vous oubliez pas, hein. 2D à Bidon, hein. Jean-Michel Bidon, oubliez pas. Vous aussi, bientôt. Bidon, avec 2D aussi, hein. Marie-Christine, ah bon, on y va, on est dans la voiture, là. Oh, il est beau, mon champion. Mais je ne suis pas un champion. Mais c'est pas gentil. Mais tu vas comprendre un peu. Enlève face à la tête, je suis pas un champion. T'es mon champion, c'est quand même dingue, ça. Mais Marie-Christine, je suis pas un champion. Oui, t'es mon champion, c'est quand même dingue, ça. Mais tu ne peux pas... Mais je n'ai pas de sang de champion, je ne suis pas un champion. Mais t'as ça dans la tête un petit peu, Marie-Christine. Oh. Incroyable, t'es mon champion. Tu vois, Kikine, c'est toujours pareil avec toi, c'est toujours pareil. C'est quand même incroyable. Tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas un champion, mais t'as ça dans la tête. Mais tu crois que je suis bête ou quoi? J'ai jamais dit ça. Bah alors. Non mais... C'est dingue. Là, franchement, tu commences à me dire. Ah bah alors toi, t'es là en ce moment, t'es vraiment là. Qu'est-ce que je te dis que je suis pas un champion, je suis pas un champion. Ah, y'a pas de doute, c'est un vrai champion celui-là. Tu m'enquiquines. Mais bah ça va, de toute façon tu me gaves, j'en ai marre. Attention, là tu vas loin quand même, hein. Oh, là tu vas très loin. Mais tu réfléchis avant ou quoi? Oh, des fois tu réfléchis pas quand tu parles. Alors là, attention, mais... tu deviens blessant, il y a une limite, hein. Mais parce que je te le dis, parce que... Mais... Ah, des fois, franchement, des fois, j'en ai pas pour faire la Garonne, hein. Franchement, alors moi, je suis gentille, mais il y a des limites quand même, hein. Alors attention où tu vas. Mais je sais que t'es gentille, mais des fois, franchement, t'es un peu trop gentille aussi, hein. Je veux dire, attends, avec tes champions par-ci, champions par-là, moi les champions, j'en ai rien des champions, hein. Oh. Mais moi je dis ça pour être gentil. Maintenant si tu veux pas que je sois gentil, je peux très bien ne pas l'être. C'est ça que tu aimes, hein. C'est ça que tu aimes. Non, c'est pas ça, faut que tu arrêtes un petit peu. Parce que moi, mon directeur sportif me dit des choses, toi tu me dis autre chose. Alors moi je comprends plus rien, hein. Donc à la maison et au travail, ça doit être pareil. Si on me dit je suis pas un champion, je suis pas un champion. Ah ouais ça. Tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi, Jean-Michel Bidon? Oui, quoi? Tu m'en kikines. Mais je sais que je t'en kikine. Avec deux ailes.